Tudo que a gente sonhou e merece está acontecendo, e tem uma nova geração que também não vai recuar. Então, o poema, eu vou falar esse poema e cantar um pedacinho de uma música do Rael da Rima, que eu acho que traduz muito essa hora. Profecia. Um dia eu vou rir disso tudo. Vou ter saudade do medo que eu tinha de não ter dinheiro amanhã. Um dia vou ser irmã da certeza de comer, beber, comprar disco, vinho, calcinha, livro, todo dia. E ter galinha no quintal e viver bem. Um dia, meu bem, me verás vestida de puro ouro e pensarás que eu vou a uma festa. A festa será esta, aquela de estar em casa sem pensão, sem ter ser imundice. Um dia, meu irmão, te direi, não te disse? E serei a negra mais feliz do Brasil. Não serei imbecil, serei sábia, sutil, coletiva e quilombola na riqueza. Eu, que era ovelha negra da quadrilha, vou sustentar a família e com tanta beleza, um dia vou pôr a mesa que o mundo guardou para mim, patroa e empregada, mas do meu próprio festim. Não sei se é a minha cor ou esse meu jeito de andar, sempre tem um detector querendo me parar. Não sei se é a minha cor ou esse meu jeito de andar, sempre tem um detector querendo me parar. Melhor irem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com din-din gastando, sem se preocupar. E pra contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos nos fortificando, é quem vem lá. E para contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos nos fortificando, é quem vem lá. Henri Lefebvre. Logique formelle, logique dialectique. Préface à la deuxième édition. Édition Anthropo Paris 15, rue Racine, Paris 5e. Chapitre 1er. Théorie de la connaissance. Un théorie de la connaissance et problème de la connaissance. La connaissance est un bar oblique et, dès la vie pratique la plus immédiate et la plus simple, nous connaissons des objets, des êtres vivants, des êtres humains. Il est possible, il est même indispensable d'examiner et de discuter les moyens d'accroître cette connaissance, de la perfectionner, d'en accélérer le progrès, mais la connaissance elle-même doit être acceptée comme un fait indiscutable. En termes philosophiques, le sujet, la pensée, l'homme qui connaît, et l'objet, les êtres connus, agissent et réagissent continuellement l'un sur l'autre, j'agis sur, es choses, je les explore, je les éprouve, elles résistent ou cèdent à mon action, elles se révèlent, je les connais et j'apprenne, elles allent comme paninatre. Le sujet et l'objet sont en interaction perpétuelle, cette interaction, nous l'exprimerons d'un mot qui désigne les rapports entre deux éléments opposés et cependant partis d'un même tout, comme dans une discussion ou un dialogue, nous dirons, par définition, que c'est est une interaction dialectique. Quels sont les caractères les plus généraux de la connaissance prise comme fait? A. En premier lieu, elle est pratique. Avant de s'élever au niveau théorique, toute connaissance débute par l'expérience, par la pratique. Seule, la pratique nous met en contact avec la réalité objective. Imaginons un être qui aurait une conscience semblable à la conscience humaine, mais qui serait si c'est peu s'imaginer entièrement passif, sans activité praïque, sans besoin, sans mouvement, sans pouvoir sur les choses et l'aide de ses membres et de ses mains, pour un tel être, c'est. Impression se déroulerait comme une sorte de rêve, il ne pressentirait même pas ce que peut être une connaissance qui pénètre dans les choses et cherche ce qu'elles sont en elles-mêmes. B. En second lieu, la connaissance humaine est sociale. Dans la vie sociale, nous découvrons d'autres êtres semblables à nous, ils agissent sur nous, nous agissons sur eux et avec eux. En nouant avec eux des relations de plus en plus riches et complexes, nous développons notre vie individuelle, nous les connaissons et nous nous connaissons nous-mêmes. De plus, ces autres êtres humains nous transmettent par l'exemple ou par l'enseignement un immense savoir déjà acquis. C'est, enfin, la connaissance humaine a un caractère historique. Toute connaissance a été acquise et conquise.
Il faut partir de l'ignorance, suivre un long et difficile chemin, avant d'arriver à la connaissance. Ce qui est vrai de l'individu est également vrai de l'humanité entière. L'immense jabber de la pensée B, humaine consiste en un effort séculaire pour passer de l'ignorance à la connaissance. La vérité N n'est pas toute faite à l'avance, elle ne se révèle pas d'un bloc à un moment prédestiné. Dans la science, comme par exemple dans le sport, tout résultat nouveau suppose un long entraînement, et toute performance nouvelle, toute amélioration des résultats, se gagne méthodiquement.